pour la 19e édition du FIFEM, le jury enfant a décerné 2 prix. Cette année, le prix spécial du jury enfant a été décerné à notre coup de cœur, Jérémy Le Surdoué. J'ai adoré le film Jérémy le Surdoué. J'ai aussi bien aimé le fait que ça parle de plusieurs sujets qui font réfléchir, comme la famille, l'argent, le suicide, la différence, l'amitié, l'école. Et c'est un film qui va vraiment vous rester en tête longtemps. Qué rarito, mijito, ¿eh? Mamá, ¿es verdad que se está calentando el mundo? Mijito, no te preocupes por esas cosas, ya vamos a arreglar el cooler. He tenido más preguntas que respuestas. Le personnage de Jérémy était vraiment très attachant, il était drôle, il se posait des questions vraiment très, très intéressantes et ça faisait réfléchir, comme l'a déjà dit ma collègue. Il posait des questions alors qu'à son âge, je pense que vraiment pas beaucoup d'enfants se poseraient ce genre de questions. Et c'était vraiment très intéressant de voir un petit garçon comme ça se poser des questions aussi intelligentes. Podía hacer lo que quisiera. Bon, Jérémy, j'ai vraiment aimé ça parce qu'il parlait vraiment de sujets importants. Puis à cause de ça, ça donnait vraiment une belle morale. Puis j'ai apprécié quand il parlait comme du passé de certains génies comme Albert Einstein. Fait que ça nous faisait apprendre de nouvelles choses sur eux. Podría ser doctor o astronauta. Podríamos mandar un concurso de esos de la tele, de preguntas. Segurito que ganamos. Jaque mate, jaque mate, jaque mate, jaque mate. Lo importante es que este morro nos va a sacar de pobres, ¿no, mijo? Ce que j'ai beaucoup aimé dans Jérémy, c'est que ça parle beaucoup de la différence et c'est aussi un film qui est différent par rapport à la plupart des films. Ça parle de la différence, entre autres, entre les pauvres et les riches, les personnes différentes entre les génies et les personnes qui sont normales. Siempre supe que era diferente. Me da mucho gusto informarles que, en efecto. Pero ahora sabía por qué. Jeremías es superdotado. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'humour et le message de la fin est vraiment très beau. ¿Y tú por qué no traes calzones, cochino? Te puede que me los pongo. ¿Usted cree que si la inteligencia nos estimula puede llegar a deteriorarse? La educación es clave para desarrollar las aptitudes sobresalientes desde muy temprana edad. En la vida, uno tiene que buscar su propio camino. ¡A la prochaine! La 20e édition du FIFEM.